Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc nous voici dans Assassin's Creed. Je sais pas pourquoi j'ai toujours l'envie de dire Assassination Classroom. C'est rien à voir, donc c'est Assassin's Creed Valhalla. J'ai vraiment hâte de jouer ce jeu là, de continuer la suite. J'allais juste vous dire que aujourd'hui ça va pas être vraiment des quêtes, qu'est-ce que j'allais dire, la quête principale. Je vais vraiment faire quand même un bon épisode de juste des quêtes secondaires. Puis le prochain épisode, ça va être la continuité d'où on était. Puis aussi, je vais m'arranger pour faire le choix de ne pas voler. Parce que j'ai réalisé que ce que j'ai volé, en fait, ça valait pas la peine. Donc en fait, je continue d'où j'étais. Je veux dire, qu'est-ce que j'allais dire? Au lieu d'aller directement continuer l'histoire pour ensuite... qu'est-ce que j'allais dire? C'était quoi encore déjà le truc? Oui, pour aller voler les trucs du roi. Finalement, on va pas faire ça. On va faire les quêtes secondaires avant. Puis ensuite, je vais prendre la décision de faire ce que j'ai envie de faire. Pour ensuite finir par quitter l'endroit. Puis découvrir de nouvelles mers. Comme on était censé faire. Donc on va tout de suite commencer l'épisode. Aujourd'hui, on commence et c'est parti. Être la meute à laquelle Ornir a eu affaire. Ah, faut que je m'en prends au loup. Ok, c'est ça le but que je dois faire. Si je veux pouvoir avoir les clés. Je dis si je veux avoir les clés, j'espère que je vais pas me faire tuer là. Ah, oh, une chance. Dommage que le temps peut pas se ralentir. Oh shit. Wow, wow. Déjà, pourquoi ça a pas marché quand j'ai... Yo, j'ai vraiment foiré pour ça. Donne-moi la clé. Ok, donc il faut que j'en trouve 3. Ben, pour trouver les 3, il faut que je les tue les 3, c'est ça? Dégage. Oh. Ouh, ça c'était vraiment... Aïe, aïe, aïe. Ok, toi là, toi... Oh, shit. Vas-y, montre-moi si t'es capable. Je suis plus fort que toi, sale loup. Mais j'ai tiré. Ben, j'allais tirer. Bon. Tes pires craintes se sont réalisées. Et tu ne seras pas mort en vain. Bon. Tu es allé les affronter. Ok. Donc, de retour au chalet abandonné, on va voir si on peut vraiment trouver quelque chose de bon, hein. Espérons-le que ça va ouvrir les coffres. Nice! Donc... Un lingot de cœur. Pièce par des loups. Bah. Il ne reste rien sur cette île. Je ferais mieux de partir. Ouais. Ok. Qu'est-ce que cet homme veut? Quel Jarl? Il a été emmené par des bandits! Viens vite! Un Jarl? Enlevé par des bandits? Si tu es aussi brave que tu en as l'air, tu viendras. Le Jarl te sera reconnaissant. Crois-moi, c'est près d'ici. Ok, donc le Jarl a été enlevé. Parfait. Le tuer? Il ne demande pas de rançon. Suis-moi. Bon, ben je veux le suivre tant qu'à y être. Donc le Jarl a été enlevé, hein. C'est quoi le Jarl d'ailleurs? Ok, mais tu prends une heure juste pour te déplacer. Allez, va. Ils sont juste devant. Toi, tu sais où ils sont. D'accord. Je te suis. Viens. Norvège appartient aux hommes du Nord. Ok, mais je t'attends. C'est-tu eux? Oh, wow!
Yo, c'est pas tes petites attaques horribles qui vont m'empêcher de me battre. Ok, ma réplique était foirée, mais de toute façon, j'essayais pas de faire quelque chose de bien là. Ouh, c'est quoi ça? Bon, voyons voir ce pauvre homme apeuré. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Ce lamentable pari leur a coûté la vie. Ils avaient menacé de me tuer si je ne les aidais pas. Alors pour te sauver, tu mènes d'autres à leur mort? Kyotve le Cruel a brûlé notre village. Nous avons dû fuir dans la forêt. Ceux qui ont survécu sont devenus amers et désespérés. Olaf, l'un de ceux que tu as tués, disait que nous devions nous battre pour nos terres. Mais il tuait seulement pour de l'argent. Cet affrontement était inutile. Kyotve est mort de ma main. Grâce à moi, tu n'as plus à subir sa loi. Olaf, maudit crétin! Tu as failli tuer notre sauveur! Ta deuxième erreur a été de me choisir comme proie. Ce n'était pas une erreur! Tu avais l'air de savoir te battre! J'espérais que tu tuerais ou blesserais Olaf pour ainsi m'enfuir. Tu es jeune et tu manques de cervelle. Alors je vais t'épargner. Mais si tu t'en prends de nouveau à moi, ou à quelqu'un... Attends, il a essayé de me tuer, lui ? Tu rejoindras tes amis dans les forêts du Helheim. Tu ne me reverras plus jamais. Je serai comme le lièvre blanc dans la neige. Oh, le fils de pipe ! Tu mérites que je te tue, toi. Mais je vais pas le faire, il te l'a laissé en vie, donc je te laisse en vie. Oh, waouh ! Ok. Ouais. Wolf, c'est ça ? Nous avons mené une attaque ensemble, quelque part sur la côte nord. Ah, on va faire un combat. Je suis flatté que tu t'en souviennes. C'était la première fois que Styr Bjorn nous laissait piller si loin de chez nous. Et Sigurd estima que tu avais pris plus que les autres. Tu fais toujours des pillages à ton âge? Il faut prendre ce qu'on peut avant que Harald n'ait mis la main sur la Norvège. Mais je ne fais que préparer les attaques désormais. Les autres les mènent. En réalité, je cherche quelqu'un pour diriger mon équipage. Je serais ravi de t'aider, mais j'ai mon propre équipage maintenant. C'est dommage. Non, je ne pensais pas à toi, mais j'aimerais que tu m'aides à choisir. J'ai quelques personnes à mettre à l'épreuve. À l'épreuve? Ah, ok, puis j'imagine qu'on devra se battre contre eux. Il faut le voir combattre. Montre-moi tes candidats. Nice. Mon équipage est rassemblé sur les quais. Essentiellement des gens d'ici. Il y a même quelques paysans avides d'aventure. Que valent-ils, comparés à Sigurd et à moi? Sans commune mesure. Tu t'es forgé une belle réputation, Eivor. On parle de toi tout le long de la côte. En bien? Ou en mal? Ouais! Ça varie selon les gens. Surtout en bien. J'espère! Donc, on a besoin de s'en inquiéter. Parce que je pense que j'aurais fait... BOUM! C'est surtout à eux. Si ils avaient parlé de moi, alors moi. Ok. Mais je te sais, mon ami, là. Ça va où? Bon. Voilà mon équipage, Eivor. Il manque un peu d'expérience, mais il compense dans d'autres domaines. Oh mon Dieu Seigneur. Ensemble, nous allons transformer ces tas de chair en hommes et en femmes de fer. Des pillards. Alors, à qui confieras-tu le commandement parmi ces bons à rien? Cette grande brute, c'est Oddbjorn. Il ne parle pas beaucoup, mais il pourrait déplacer seul un navire. Cette jeune fille au bouclier est Achille de la ville. Sa lame est aussi rapide que sa cervelle. Ensuite, il y a Thorgils. Wolf! Qui est ton ami? Pense plutôt au combat si tu tiens à garder ta tête. Compris. Celui-là est bête à manger du foin, mais les autres l'aiment bien. Voilà les meilleurs dont je dispose. Oh mon Dieu. Voilà, hein. J'ai déjà eu affaire à plus que ça. Tu veux tous les affronter à la fois? Et pourquoi pas? Nos pillages, eux, sont plutôt chaotiques. Il leur faut une épreuve sans règles. Défilez, mais ne les abîme pas. J'ai eu assez de mal à entrer dedans. En gros, tu l'es pas. Il massacre les pas. Oh my god. Écoutez bien, t'as de l'image de mer. Voici Eivor, l'ami des loups, qui a tué plus d'hommes que vous n'en croiserez jamais. Eivor, l'ami des loups? J'ai entendu parler de toi. Oh. Très bien. J'espère juste que je vais les satisfaire parce que... Ouf. Vous devrez affronter Eivor. La victoire au meilleur combattant. Pas de mort, pas de blessure grave. À part ça, aucune règle. Ok, j'ai-tu le droit d'utiliser au moins mon... Combat. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon arme? Pillard doit être impitoyable. Je suis bien meilleur que ces hommes. Vous avez beaucoup à apprendre.
devant toi, là. Oh! Ça a été un honneur de te battre. Yo, ben là, c'est pas juste, ça! Je veux recommencer, fuck that! Oups, je voulais pas les tuer, mais... Mais bon, oh my god! Rolf, tes billards sont plus robustes qu'ils n'en ont l'air. Tu ne crois pas si bien dire. Torgils... Non, je veux recommencer, c'est pas juste, je savais pas qu'ils pouvaient me battre comme ça. Es-tu pas rassasié? Oui, je ne pensais pas que Torgils s'y arriverait. Mais il est aussi déterminé que son père. Yo, stop! Attends, c'est ton fils, le petit Thor. Il m'arrivait à peine au nombril. Il a grandi, et maintenant il va chercher à tout me prendre. Mais c'est comme ça avec les enfants. Tiens, un peu d'argent pour ta peine, avec un supplément. Pour vous avoir floué la dernière fois, Sigurd et toi. Yo, mais comment je pouvais savoir? Il m'a pris, il m'a fait une espèce de chose. Si je savais que ça allait me faire perdre, j'aurais fait plus attention. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je sais, il était quand même assez court, puis il était bref de beaucoup de façons parce que... Genre, c'était pas vraiment la trame de l'histoire. Mais j'espère que vous avez apprécié quand même... qu'est-ce que j'allais dire? Mes quêtes... la chasse au trésor, mes combats. Bref, donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à mon compte Twitch pour le gaming. Ce serait vraiment important si vous le faites, ça va vraiment m'aider. Et aussi mon compte Facebook et Instagram. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.